Fresh Morning. Le sport avec Pépé ce matin. Pépé, comment tu vas? Ça va toujours. Il y a la forme? Toujours bien. Je n'avais pas démarré ton micro. Ah oui, mais c'était juste une succession de toujours. Donc celui qui a raté le premier toujours a pu récupérer le deuxième toujours au robot. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour. Comment tu vas bon ce matin? Regina, ça va très bien. Pépé. Voilà, ne bouge pas, garde la même position. Oui, Pépé. On parle de sport. Alors, le sport. Le sport, et puis on va revenir sur la victoire gabonaise en terre camerounaise. Mm-hmm. On parle là de kickboxing. Mm-hmm. Et on se rappelle que le président fédéral, voilà, il était ici. Et il avait promis que l'équipe nationale devait aller défendre. Ils ont eu le pognon. Voilà, le pognon pour partir. Ah. Bon, enfin, ils ont eu l'apport. Donc Eric là, c'est j'ai dit, j'ai fait. Apparemment, on peut le prendre comme ça. Mm-hmm. Ils sont partis avec 7. Vini, Vici, Vici. J'ai venu, je me tiens là-bas, Vici. Il a seulement Vini. Ils sont partis avec 7 athlètes. Uh-huh. Il y a eu 4 médailles d'or, en fait, 4 ceintures, uh-huh, et 3 médailles d'argent. Uh-huh. Donc tout le monde a été primé. Vraiment. Mais là, le championnat de boxe qui s'est passé au Gabon, oui, on a gagné quoi? Non, on n'a pas gagné grand-chose. On était, je crois, 7e, 6e ou 7e. Oui, on était très loin parce qu'on avait très mal commencé. Uh-huh. Mais là, boxe. C'est pourquoi ça avait étonné un peu les gens, parce qu'on sait que dans les sports comme la boxe, que ce soit la boxe anglaise, que ce soit le kickboxing, les Gabonais sont souvent assez forts. Et là, voilà. Et là, c'était un peu étonnant que les Gabonais n'aient pas réussi à. Mais à Yaoundé, ça c'est très bien. En direct, au sorti d'une autre comme ça, mieux vaut. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Lui-même, c'est un poids lourd aussi. Qu'est-ce que j'ai dit de... Ah non. Ah, c'est pas poids lourd là. Non, pas destructeur quand même. Poids lourd de la politique. Ouais, poids lourd, mais mover quand même, c'est une autre catégorie. Ah oui. Faut être honnête. Oui, Pépé. Voilà donc, ça c'était côté de kickboxing. Il faut rappeler qu'il y avait deux disciplines. Il y avait le low kick et le full contact. Mm-hmm. Donc les Gabonais ont eu deux ceintures. Comme c'est un championnat pro, c'était le championnat d'Afrique, la zone 4, dont l'Afrique centrale, de professionnel. Et donc là, il n'y a pas de médaille d'or, il y a des ceintures. Donc les Gabonais ont eu deux ceintures en full contact et deux ceintures en low kick. Et ce qui fait en sorte qu'on est sorti premier devant le Cameroun, devant le Congo. On a gardé nos titres. Et le Gabon a donc gardé son titre parce que l'année dernière. Le Gabon là, le champion d'Afrique de full contact de boxe. Mais on a déjà eu. Il est là. On a eu le vice, on a déjà eu un vice. Il est là, il se balade dans les rues. Oui. On a déjà eu le vice champion du monde. Tu peux te mettre un gauche. Non, il y a la discipline de. Ah, ils ne mettent pas les gauches. Non, c'est pas n'importe comment. D'accord. C'est organisé. Mais on a eu des vice champions du monde. Mmh. On a eu un vice champion du monde amateur de low kick. Dropsy Binga. Ah bon? Oui. Mmh. C'est le championnat amateur s'était même déroulé ici, la phase finale. Il avait été battu par un Français. Donc, il y a des gars comme ça, il y a des disciplines comme ça qui ne sont peut-être pas très, très, très médiatisées. De politique, mais là, tu n'as pas les sponsors sur le sport, tu peux pas parler. Mais où les gars sont vraiment très. Où leur niveau est très élevé. C'est peut-être l'occasion. Comme certains disent souvent, si on me donne le tiers de ce qu'on donne au football, je ferai. Il y a beaucoup qui disent ça. Mais ouais, bon. Ils ont raison. Oui, on peut leur donner raison quand on voit certains résultats. Mm-hmm. Maintenant, c'est quand même que lorsqu'on parle de sport individuel, c'est pas. Dès qu'on va leur donner ça, là, le naturel va revenir. Va revenir au galop. Fallait pour pas dire que donner à une personne un peu d'argent et un peu de quoi? Le pouvoir. Oui, c'est fini. Donc ça veut dire que si on leur donne plus que ça, ils vont faire moins que ça. Oui. Dès que tu vas leur donner, ça va révéler le démon, le monstre qui sommeillait en eux. Donc tu ils ont des monstres qui sommeillent en eux. Chaque être humain a un monstre qui sommeille en toi, lui. Toi, ton monstre, ça s'appelle comme un pixel. Le monstre qui sommeille en toi. Je ne pense pas qu'il est temps de le réveiller, ce monstre. Il est bon quand sorti. Chacun son truc. Ça peut être réveillé par, je ne sais pas, un choc, Pépé, machin. Il a le monstre qui sommeille en lui. Qui sommeille, quoi. Le monstre a sommeille tellement qu'il te fait sommeiller toi-même. Non, le monstre des bébés, il est pas encore bien sorti. Ah, heureusement. Il dort encore. Mais le monstre de Mosley. Le monstre de Pépé. Pépé se réveille toujours. Le monstre de qui ça? Le monstre. Le mien est sorti de Pépé. Pépé tous les matins.
Heureusement que ceux qui nous écoutent ne comprennent pas vraiment de quoi tu parles. On parle le monstre de la toile là. On parle également de basketball avec les finales de la Cobble Back League. On n'a pas gagné. Si c'était le week-end dernier, c'est ce que je dis. On n'a pas gagné. Yoban FM n'a pas gagné. Ah, tu n'étais pas là le lundi, ouais. Yoban FM n'a pas gagné, mais le niveau est extraordinaire. Mikolongo était en demi-finale. Nous, on est arrivé jusqu'en demi-finale. Yoban FM n'a pas gagné parce que le meilleur basketteur d'Yoban FM, tu vois, c'est un gars du lycée d'application. Et donc, il ne pouvait pas jouer dans le Batavia. Mais le petit était dangereux. Mais pourquoi c'était le Michael Jackson? Michael Jordan. Pas de Michael Jordan. On est au basket, Gina. Est-ce qu'il y a un Aubameyang qui joue au basket? Est-ce que tu connais un Aubameyang qui joue au basket? Est-ce que tu connais un Aubameyang qui joue au basket? Là, je te soutiens pas, Mindy. Non, en fait, là, c'est vous qui perdez la tête. Non, dis que c'est le Michael Jordan. Ou bien Jason Fanga. Ou bien encore Stéphane Lasme. C'est l'Aubameyang de machin. C'est ce qu'est Aubameyang pour le football. Voilà. Non, faut pas faire des parallèles comme ça. On est au basket. C'est la référence à Aubameyang qui vous fatigue. Pépé, on est au basket. Ou bien mais attends, mais tu préfères... Tu as dit... Jason Fanga. Et non, lui, là, tu as dit un autre nom là. Jordan. Donc tu parles de Jordan. Michael Jordan, il fait gagner. Est-ce que tu vois Michael Jordan a gagné la finale. Le petit là devait faire gagner la finale. Le basketteur d'Yoban FM était pour l'équipe de Batavia. Non, il était pour l'équipe du lycée d'application. Il apprend au lycée d'application. Voilà. Il était pour Aubameyang. Si il était pour l'équipe de Batavia, c'est qu'Aubameyang aurait été pour son pour quoi, son Arsenal. Équipe. Là, quelle équipe? Arsenal. Ils ont perdu la finale. Il a été pour Batavia, ce qu'il aurait été pour les Panthers. Tu vois, mais ils ont perdu les paris, ils n'ont pas été sélectionnés par la CAN. Mais parce qu'il n'était pas venu. Gina, tu cherches loin. On n'a pas gagné. Nous, on n'a pas gagné. On n'a pas joué le dernier match contre Burundi. Les matchs avant, oui. Stéphane Lasme. Finale, Gina, tu parles de Stéphane Lasme. Aubameyang, il a gagné. C'est la référence là, c'est moi que vous ne voulez pas. Bon, ok. Jason Fanga, Stéphane Lasme. Tu devais venir là depuis. Aller en l'air, sauter. On ne cale pas en l'air. Il faut prendre une référence sur un gars qui a gagné quelque chose. Mais il gagne des choses. Oui, j'ai même pas dit qu'il n'a pas gagné des choses. Aubameyang, c'est un grand footballeur. Il a le basket. C'est un grand sportif. Moi, je vais sur la base que c'est un grand sportif. Tu sais que moi, j'ai déjà fait mon meilleur coup pour Aubameyang. Donc, je suis pour Aubameyang quand on parle de foot. Comme j'aurais pu dire que c'est le démon qui sommeille. Je te jure. Comme j'aurais pu dire que c'est le Antonio. Ça, c'est Linguala de Nicole Amorola qui te fait ça. On parle de basket, ma sœur. Je vais te pousser du troisième étage. Tu vas voir, tu vas te briser la jambe. Oui, Pépé. Donc, la Cobel Backlink. Voilà, ça s'est achevé avec la victoire de Lucien Léonba sur Mikolongo. Mais le petit, là, il était MVP, non? Lui, le MVP chez les garçons, il est du lycée National Léonba. Mmh. Voilà, David Nguema. Et chez les filles, Ida Akomodonchorire. Donc, Ingrid, là, il n'a pas eu le MVP. Ingrid, là. Non. Ah, il y avait une petite qui s'appelait Ingrid. Non, ouais, mais... elle n'a pas eu. Mais tu sais, après, il faut choisir entre tous les direct, enfants. Hein. Oui. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont réellement progressé dans le niveau. Ce qui m'épate, Mikolongo en finale. Le ministre du sport était là-bas, non? Oui, le ministre du sport était là. Super, parce qu'il fallait qu'il voit ça. Il était Mikolongo. Parce que ce que j'ai vu, c'était amazing. Mikolongo en finale, Joe. Amazing, le chanteur. Non, il was amazing. C'était magnifique. Ok, d'accord. Et pourtant, tu avais eu. Il y a eu une américaine qui était ici, on t'entendait pas parler anglais. Aïe. Oh, mais je comprenais ce qu'elle disait. Tu m'envoyais demander les traductions. Ah. Pépé, toi, tu me parlais. Hein. Toi, depuis que tu pars au Maroc, là, tu parles arabe. Non, tu es parti en Grèce. Est-ce que tu parles grec? Pépé est la seule personne dans tout ce studio à être allé en Grèce. Tu es déjà parti en Grèce? Non. Pépé est seul ici à être allé en Grèce. Il parle le popo de Plos. Makarios. Il est allé à... un coin bizarre. Un coin là, on voit les noirs. Un coin, on voit les noirs tous les 60 ans. Vraiment. Donc, et chez les filles, il y avait une Chorere qui a gagné face au lycée d'application. À lycée à Paul et Njenjen Gonjou. J'étais à la Mykonos. Oui, on parle de... Oui. Ah, tu fais comme si tu n'as jamais été là. Tu fais les grands voyages maritimes, bébé. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais à Port-Gentil, je vais à Cocobiche. C'est pareil. Pour peut te citer Cocobiche, parce que les gens là-bas peuvent te gifler. Mais moi, je suis là-bas, si je vais à Cocobiche. Il y a combien de temps que tu as été là-bas? Cocobiche,
un peu plus de 8 mois. Tu es comme ça, tu es comme Casimiro Yemba. Il partait à l'école à la nage. À la nage. Mais à leur époque, c'était normal. Mais depuis son époque, ça n'a pas changé. Oh là, c'est vraiment un coup bas. C'est vraiment très bas. C'est un coup bas. Je me rappelle qu'aujourd'hui, on est que mercredi. On peut pas aller à Cocobiche en voiture. Mais lui, c'était de l'autre côté, de l'autre côté de tout, voilà, du côté des Amalis. Donc, Cocobiche, tu prends la gauche, Donguila, Zamali, tu prends la droite. Puis on peut, pour ceux qui sont déjà là-bas, on peut comprendre que c'est compliqué. 7%. De quoi? Tu vas savoir. Oui, Pépé, avance. Donc voilà les grands gagnants dont lycée national Léon Ba, Nchoriré chez les filles, les MVP, le garçon, chez les garçons, lycée national Léon Ba avec David Nguema, chez les filles Ida Okomo de Nchoriré, meilleur entraîneur Ruth Bibéi qui est une jeune fille et qui tient donc une équipe qui tient donc l'équipe de Nchoriré qui a remporté donc cette compétition. La Cable Bag donc s'achève sur une bonne note et on a noté la présence du ministre d'État en charge des sports, ce qui a Alain Claude. Alain Claude Bilibizé. Mmh. Mmh. Voilà, à la fin, il était très heureux. Il nous a, puisque on sait qu'il y a des gros projets au niveau de l'OCSU, au niveau du ministère en charge des sports. Et on se rend compte que ce que fait la BAC League aujourd'hui, ce n'est pas loin de l'OCSU. C'est l'avenir. Voilà. Et donc, si on suit bien et que si l'OCSU vient s'ajouter à ça, on peut penser que nos enfants. Vous avez dit que l'OCSU devait démarrer. L'école est en train de finir. Mais je crois que ce ne sera plus valable pour cette année. Les enfants font le CEP demain. Non, la dernière fois que le ministre était là, il avait dit que tout avait été mis en place, mais au regard du calendrier et de la fin de l'année, on ne pouvait plus s'engager à organiser là. Il ne s'engage jamais. Non, la rentrée prochaine. Le budget est déjà là, puisqu'il joue, ce sera contourné par... Et s'il n'est plus ministre des Sports Mais ça continue, le service public... Ça doit continuer, ça ne doit pas être une affaire de... Si ça devait continuer, l'OCSU ne devait jamais s'arrêter. Non, l'OCSU s'est arrêté pour d'autres choses, ça n'avait rien à voir avec les personnalités, c'était certainement des questions financières... Donc ça n'a rien à voir avec les personnalités, donc ça doit normalement continuer. Oui. Puisque les institutions doivent assurer la continuité du service. Mais peut-être qu'à un moment donné, l'État n'avait plus jugé utile Tu veux justifier quoi? Je veux justifier le fait que peut-être... On s'est rendu compte qu'on ne donnait plus les moyens. On ne donne jamais les moyens pour faire les vraies choses. Je suis d'accord, mais... L'achat des voitures dans l'administration s'est arrêté un jour. Non. Mais alors, on est à la série H en ce moment. C'est ça. Pépé, lui, parle de... On parle maintenant de... Les lits à l'hôpital, ils achètent. De natation. Même l'aspirine. Même l'aspirine aussi. Même le gant, d'affraîche, même le gant. Si tu veux qu'on soigne ton enfant. Si même des gens baillent le sang, tu vois, c'est quoi? C'est le gant qu'on ne va pas baillir. Malgré la gratuité de la consultation. Les médecins. Oui, Pépé. L'histoire de sang là. 10 000, oui. Oui, Pépé. Je suis pas très d'accord. Oui, Pépé. Oui, on parle également de championnat national de natation. Le championnat national de natation qui s'est donc également déroulé le week-end. Oui, et j'ai retrouvé le nom du Gabonais qui avait participé. Oui, Pépé. Non, mais il parle de natation qui avait participé aux Jeux Olympiques. Maël Mbonguila, on l'avait reçu ici. Un blanc. Un sur quoi? Non, il a un parent qui est suédois. Ça n'empêche pas qu'il soit blanc. Mais Kani n'est pas blanc. C'est pas qu'il est Gabonais. Non, Kani n'est pas blanc. Non, Kani est clair. Ah bon, hein? Mais toi, à côté de Kani, tu seras toujours appelé blanc. C'est l'autre stagiaire qu'on avait là qui était blanc. Le stagiaire de l'époque des Baman. Ouais. Lui, il était blanc. Mais... Oui, Pépé. Oui, donc, attends, tu veux qu'on dise. Kani est métis. Le championnat national s'est donc déroulé du côté du Puitané militaire. Le bassin du Puitané militaire. Il y avait 94 athlètes, 94 nageurs venus de l'Estuaire et de Port-Gentil. Et de. Du moins, le coin maritime. Quand quoi? C'était quand? Ah, le dimanche. Et voilà donc Triton de l'Ogoué Maritime de Port-Gentil. Le club Triton a remporté. Hein? Non, le club. Non, c'est un club qui s'appelle Triton qui est donc sorti champion. C'est pas la planète de Superman, Triton. Non, Krypton. Krypton. Là, c'est Triton. Donc, le club qui a remporté ce championnat devant Poséidon. Devant C'est pas le nom de Masasi. Non, Poséidon, non, c'est le dieu, je crois, le mais dieu pas de la mer. Ça s'appelait pas Poséidon, ça c'est Poséidon. Mais oui, c'est, je crois, un dieu grec, le dieu grec de la mer ou de quelque mais chose Triton, comme ça. Mais Triton, c'est un dieu. Voilà. Poséidon, c'est mais un tu dieu. Vois qu'ils sont dans... Mais Espadon. Espadon. Espadon, c'est un poisson. Par contre, là, c'est un poisson.
Mais tu sais, ils sont dans la logique de l'eau. Voilà. Mais ça, c'est la mythologie grecque, quoi. Là, pourquoi il n'y a pas, pourquoi y a pas les noms gabonais? Il y a le buti, non, qu'on dit sur mon Nzambe. Mais est-ce que c'est en référence à l'eau? Pourquoi Mami Wata, ouais. Mami Wata. Mami Wata, ouais. Mami Wata, c'est pas en gabonais, ça. Si? Non, Mami Wata, c'est pas en gabonais. C'est en pitching. C'est les noms, c'est les trucs qui viennent des îles. Mami Wata. Mami Wata. Ouais. Pour une fois, Pépé. Non, mais c'est ça. Pépé, tu as des lumières. Pépé, tu as des lumières de temps en temps. Et de temps en temps. Yeah, comment vrai. Ça fait pour être répandu dans toutes les langues du Gabon? Mais c'est comme ça, il y a beaucoup les frangins qui viennent de l'Afrique de l'Ouest qui ont habité avec nous ici. Là. Ouais. Mami Water. Mais comment Mami Water, Mami Water. Mami, la mamie de l'eau. Toujours. Tu ne crois pas, Google it. Non, Pépé a raison. Pépé a raison. Mami Wata, en référence à Mami Water, qui est un esprit de l'eau dans les pays de l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Donc, ça, c'est dans les. On devait trouver les noms du Buiti, là. C'est ouais. Dans les croyances populaires. Là, il faut Gangabis savoir. Encore, les trucs comme ça. Ah, c'est sacré, c'est sacré. Mais il y a les esprits de l'eau dans le Buiti, non? Mami on prend les noms. Wata. On ne tape jamais l'eau en public. Un groupe devait s'appeler. On appelle l'eau en débit comme en Gina. L'eau. Elle se mouche d'abord. Oulololo, c'est ça. Non, t'es conné. Mambe, ça c'est l'eau. Mais voilà. Ça c'est l'eau, là c'est l'eau peut-être pour boire. L'eau en débit. Mais est-ce que tu en as le fleuve? La rivière. Le fleuve, la mer. La rivière. Oh, mon frère. Gina, attends, la rivière en Zébi. Bon, Mosley, la rivière enfant. Oshin. Voilà, un groupe devait s'appeler Oshin. Voilà. Ouais. Oshitoshi. C'est en japonais. Voilà, donc juste préciser qu'il y a deux. Donc, il y avait Poséidon. Espadon. Espadon. Krypton. Triton. Et ça finit qu'en nom, hein, en fait. Mais c'est la mythologie grecque, d'Afrèche. Espadon, c'est pas un dieu, toi aussi. Non, Espadon, c'est le poisson qui a la longue tête. Il y avait trois clubs. Non, ça c'est le. On appelle ça comment? Le carré, le trio de tête. Voilà. Je t'ai entendu qu'il y a trois. Ils se sont appelés Carpe ou je sais pas. Mais c'est un choix. Ils ont choisi. La mythologie. On ne choisit jamais les noms gabonais. Mais non, est-ce qu'on a une culture gabonaise? Est-ce qu'on enseigne ça aux enfants à l'école? Les miennes. Mais Mosley, c'est gabonais. Mosley, c'est gabonais. Donc René Ruth parle souvent là. Les Agé-Kaza. Ceux qui dansent souvent, ils ont les esprits. Ils ont les esprits dans les lacs. Mmh. Il suffit juste de chercher et de demander. Et puis vous allez vénérer ces esprits-là qui vont vous pousser dans l'eau. Et vous allez être premier. Ou bien qu'ils vont vous attraper dans l'eau. Parce que tu penses vraiment que Poséidon. Pourquoi ces esprits-là qui doivent attraper les gens dans l'eau? Parce que tu penses que Poséidon, il n'a que ça à faire. Et puis est-ce que Poséidon vous connaît? Il te pousser dans la piscine. Pour finir, il y a deux jeunes qui sont sortis du lot et qui sont qualifiés. C'était la team d'équipe. Pour les Jeux Olympiques. Non, pas pour les Jeux Olympiques. En fait, il y a une étape avant les Jeux Olympiques. L'étape qui est les Jeux Africains. Et il y a également le championnat du monde. Donc, c'est quoi la taille moyenne de ces jeunes? Tu étais? Oui, j'étais, mais la taille moyenne, je ne sais pas. Ah, parce que ça compte en natation, hein, oui. La taille du nageur. Tu te rappelles du nageur Yann Top. Voilà. Et... c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en termes de bras, plus tu as des bras qui sont assez allongés, plus tu as la capacité d'aller plus vite. De brasser plus tôt. Voilà, oui, c'est vraiment très important. Mais moi, je ne me suis pas focalisé dessus. Mais lorsque tu vois la petite fille, par exemple, Sarah Bivégué, elle a à peu près la même taille que moi. Moi, je fais 1m73, elle a 14 ans. Ouais, elle est assez grande de taille, donc je crois que ça peut... Là, c'est déjà bon pour un départ. Voilà. Donc, elle doit être dans 1m73. Sa croissance n'est pas encore stoppée. Voilà, et en plus... Et on sait que la natation, c'est le sport où tous les muscles sont vraiment en mouvement. Oui, c'est le sport qui fait travailler tous les muscles, voilà. Donc, je disais, il y a Sarah Bivégué et puis il y a Aya Girard. Aya Nakamura. Il y a eu également trois records qui ont été battus. Les records de quoi? Du Gabon, qui ont été battus lors de cette compétition. C'était plus les 50 mètres, parce que le bassin, c'est un bassin de 50 mètres. Donc, il y avait 50 mètres à la nage libre. Le record a été battu donc, par Aya Girard, qui était déjà lui-même détenteur de ce record. Il a donc fait passer le record de 35 secondes 32 à 34 seconde 38. Et ensuite, il y a 50 mètres papillon qui a été battu par la jeune Sarah Bivégué. Voilà. Et donc, il y a également le 50 mètres brasse qui a été également battu par Sarah Bivégué. Donc, et le record a été détenu par Aya Girard.
Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Merci à tous les frangins et toutes les frangines connectées ce matin. On se retrouve dans quelques minutes, on a des invités ce matin. Et bien sûr, Mosley est déjà avec nous, on va parler de politique aujourd'hui. Da Fresh Morning.